Salut tout le monde, c'est Jérôme FPS. Donc là, on est sur la partie 12 de The Last of Us Part 2. Et donc, on va continuer la petite mission qu'on doit faire avec Abby. Donc là, si vous voulez aller voir juste les vidéos avant, n'hésitez pas à cliquer sur le lien. Vous pourrez aller voir la vidéo juste avant. Et après, si vous voulez vraiment avoir toutes les vidéos, tout est sur ma chaîne, tout le gameplay. Ok, donc là, tout à l'heure, on est tombé sur des gros puants, hein, comme ils appellent ça. Et donc là, on avance tout doucement. J'essaie de récupérer donc sur ce bouteille vide. Je sais pas si ça pourrait peut-être être utile, non? Ouais, ça peut toujours être utile. Hein. Donc, est-ce que je peux refaire un kit ou pas? Non, j'ai pas assez pour refaire un kit. Donc voilà, on va avancer tout doucement. On est dans une serre là. Et donc, on va essayer de sortir. On va aller voir un petit coup là-bas. Ok, il me semble avoir vu des trucs. Voilà. J'ai des armes à améliorer parce que sur ce personnage-là, j'ai aucune arme à améliorer. Et son arme, l'autre, je la trouve vraiment pas terrible. On va aller voir là-bas. Ok. On prend tout ce qu'on trouve. Ok, donc là on doit être bon. Là on peut essayer de sortir par ici en même temps. Non. Voilà. C'est bon. La base est droit devant. Pas de car en vue. Ils sont là. Ouais. Allez, on continue. Ok. De toute façon, on va tomber sur l'escar. Bon sang. Vous vous souvenez quand on pouvait passer par là sans se faire attaquer par l'escar? Tu regrettes l'époque de la trêve? C'était la belle vie, hein? Un peu trop belle. On leur a fait confiance. Et ils ont pendu toute une escouade. S'ils l'ont fait, c'est parce qu'on a flingué ces gosses. Peut-être bien, mais ces gosses ont attaqué nos gars. Qu'est-ce que t'aurais fait, toi? J'en sais rien. Pas les criblés de balles, en tout cas. Ouais, bah pour moi, Noga passe avant tout. Manny, c'est juste des gosses. C'est pas leur faute. C'est pas la nôtre non plus. Tous ces morts, c'est à cause d'eux. Si tu le dis. Ok, donc là, on peut pas passer par là. On devrait être de l'autre côté de la clôture. On coupe par l'intérieur? Ouais, ça nous a vachement réussi la dernière fois. T'as autre chose à proposer, Manny? Non. Je suis juste énervé. Il y a quelque chose qui bloque la porte. Peut-être qu'il y a une autre entrée. Il y a une corde, non? Hein? Manny, va voir en haut. J'y vais. Ok. Donc est-ce qu'il va savoir ouvrir la porte? Je sais plus. Câble est coincé, on dirait. Mel, reste avec Alice. Je vais essayer d'ouvrir cette porte, histoire de vous faire entrer. Cool. Fais attention. Ok, donc on va devoir débloquer la porte. Et... Alors? Putain. C'est vachement haut. Ouais. Ok, c'est pas ça qu'il fallait faire. C'était vachement long. Donc il doit sûrement avoir un truc, une corde, une connerie, non? Ok, on doit déplacer la corde et la jeter peut-être là-dedans. Voilà. C'est parti. Putain. C'est vachement haut. Ouais, c'est clair. Ok, Mel. C'est bon. Je suis à la porte. C'est cette porte-là ou l'autre? Je sais plus. Ah, c'est là. Okay. J'étais sur la mauvaise porte. Oh,
Ok. Par ici. On va essayer de choper un peu tout là. Tout ce que je trouve. Là y'a rien. Là y'a rien. Allez, ne voulez pas prendre. Ok, donc là on est bon. Là-bas c'est quoi? Il n'y a rien du tout. On dirait une porte bloquée. Okay. Allez, on s'en va. On trouve beaucoup d'outils, mais on trouve pas d'établi. Ok, c'est un vieux hangar à bateau. C'est quoi de ça? Parce que là, il y a un escalier. Peut-être passer, hein, il y a des choses à prendre. Hein. Voilà. Peut-être en hauteur. On va aller voir. On va avant. Ok, carrément un cadavre, on dirait. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Là. Ok, donc on va passer par en bas. Et aller ouvrir la porte. Ah bah voilà, un établi. J'en cherchais en plus. Ouais, on va... Stabilité, parce que celui-là, il est costaud, mais la stabilité, c'est zéro. Voilà. On est ok. On va être beaucoup plus stable. Ok, par contre, il n'y a plus rien à modifier. Créer un silencieux. C'est pas mal ça. Ok, donc là, on va ouvrir la porte. Ok. Ça fait pas trop de bruit. Allez-y, je tiens. Je l'ai plus qu'à. Chier, désolé. Est-ce que ça va? Ouais, la poignée a lâché. On fait quoi du coup? Abby, regarde. Une lucarne. Manny, bouge pas. On va trouver un moyen de grimper sur le toit. Ok. Alors, t'es contente de faire partie du voyage? Si on veut. Fais-moi penser à remercier Manny. Je suis contente d'être avec vous. Je m'en serais voulu de ne pas avoir été là pour vous aider. Ok, donc on va regarder comment... Dis, pourquoi tu m'évites? Je t'évite pas. Arrête, tu m'as à peine parlé depuis ce qui s'est passé à Jackson. Je sais pas. Je crois juste que... Jackson m'a fichu un coup. Tu penses que Joël méritait pas ça? Je pense qu'il méritait pire, mais... J'aurais préféré ne pas y être mêlée. Je vois. Faut être cinglé pour faire ça, hein? C'est pas ce que j'ai dit. Bon, faut qu'on atteigne la lucarne. D'accord. Hé, Abby, aide-moi à monter. J'ai une idée. Je t'écoute. C'est bien qu'on dit aide-moi à monter. Ah là, ok, d'accord. Ok, allez, go! C'est bon. C'est quoi ton plan? Une seconde. Qu'est-ce que tu fais? Je nous sors de là.
Ok, mais... vas-y doucement. L'avantage d'être enceinte, c'est que j'ai le centre de gravité plus bas que la normale. Je te crois sur parole. Ok. Oh, j'ai réussi. T'as fait quoi la rentrée? Ah, c'est où je suis passé tout à l'heure. Ok, d'accord. Vas-y, grimpe. Merci. On va passer par là. C'est où j'ai vu la porte fermée tout à l'heure. Ok, d'accord. Bon, on s'en est un peu rapproché. Voyons un peu. Je pense pas que si je saute sur le bateau, ça va le faire. On a une échelle. On y va. On va peut-être utiliser au niveau du bateau, non ? Voilà. Hé, hey, bien vu. Le bateau me rappelle un peu celui d'Owen. Ok, manuel d'entraînement pour vous donner accès à nous. Ok, d'accord. Histoire. On récupère. Ici c'est la couchette, donc on a pas besoin. Et là, purée. Donc on peut sortir. Voilà. Comment tu veux que je parle? Il y a une passerelle qui conduit à la lucarne. Mais comment on fait pour y aller? Ok, pourquoi pas. Non, je crois pas trop à ça. On peut pas récupérer l'échelle ici. Ok. On va voir. C'est bon. Comment ça, on est monté seul? C'est vachement haut. Ton vertige te joue des tours? Oh, surtout quand je regarde en bas. Allez, on monte. Allez, c'est parti. Quand on réussit à sortir. Les voilà. Manny, on arrive. Ok. Regarde, notre base adorée. On y est presque. On doit pouvoir couper par la gare. Tu veux pas descendre du toit d'abord? Ouais. J'ai du mal à imaginer que tu puisses avoir peur de quoi que ce soit. Je suis pas aussi dure que tu le penses. Oh, arrête. Genre, je pourrais pas opérer les gens comme tu le fais. J'aurais trop la trouille de faire des conneries. Parce que tu crois que j'ai pas la trouille, moi. Ça vaut ce que ça vaut, mais mon père te considérait comme sa meilleure élève. C'est vrai? En même temps, t'as toujours dit que c'était un imbécile. Viens. Voilà. Alice, c'est bien, ma fille. Il était temps que vous vous reparliez. C'est tranquille ici? Ouais. Ça me plaît pas. Bon, on est presque à la base. Oui. Putain, quand on sera rentré, je vais me trouver un canapé, mater un film et picoler jusqu'à plus soif. Ah ouais? Picoler quoi? Oh, quel film? Bonne question. Le film, c'est celui... comment ça yama? Avec la fille qui chevauche un loup. Oh, j'adore ce film. Et pour la picole, il me reste du mezcal de la semaine dernière. Une minute, je croyais que c'était notre mezcal. Si, si. T'inquiète, je t'en laisserai. Oh, qu'est-ce que je donnerais pas pour un remontant.
Enfin, si j'étais pas en cloque. Ni en train de fuir. Donc, on fait quoi là? On voit ça, ça. Ah, par là. Eh, c'est par là. Ok, on va suivre les rails. Ils nous ramèneront sur la route qui conduit à la base. J'aime pas ça. Je sais. Restez sur vos gardes. Il y a un moyen de franchir le mur. Donc on récupère tout, tout ce qu'on a besoin. Ok, donc ils sont où là? Ils sont là-bas où? Ouais. C'est de l'autre côté? Non. Diana! On nous attaque! Ça venait de là, derrière! Ah ok, il y en a. Ok, que des têtes. Il y en a encore ou il n'y en aura plus? On va avancer tout doucement. Il coûte 2 balles. On va faire gaffe. Pas terrible son arme. Ok, ça tire de où? Je vais récupérer des balles. Une petite hache. Normalement, si on n'a plus de musique, c'est qu'ils sont plus là. Ok. D'avoir le haut de la tête et ça. Voilà. Il m'en manque un. Allez, montre-toi. Voilà. Putain de merde. C'est fini. J'en vois pas d'autre. Suivez-moi. On y va. Elle est pas en situant ou non, je crois pas. Hé, en haut. Non, bah de toute façon, dans tous les cas, fallait passer. C'est la caserne des bobos là. Il y a plein de matos. Ok. Regardez, on y est presque. Par ici.
Combien là? 3. Ouais, 3. Des baquettes, hein, je crois. Hey Wolf! On les encercle! C'est cool, il s'est caché et tout. Oh putain, je vous aime. Je donnerai vos prénoms à chacun de mes gamins. Prêt ? Heureusement que vous étiez dans le coin. Une chance de se passer par là. On va récupérer un maximum de balles. Je sais que j'en avais tué un aussi ici. Ok, donc c'est bon. On y va, on monte. Oh merde, ça va? Ouais, je devrais m'en sortir. Je te dis. Hé, hey, laisse-moi voir ta main. C'est bon. J'ai fait dégager la main, quoi. Après, heureusement qu'ils sont venus aider, hein, parce que... Bah, à mon avis, il y avait une cinématique, donc dans tous les cas, même si je l'aurais fait en furtif, je crois que j'aurais dû me voir quand même. Hein. T'inquiète, on arrive bientôt. Ouvrez le portail. Laissez-les passer. Mel. Quoi? Toto. Serre aussi fort que possible, ok? Fais chier. Je l'ai même pas senti. Hé hey, on en a deux. Il a une blessure par balle, à la main. Un compliment. Pour te faire soigner. Pas bouger, Alice. Allez, c'est par là. Assise. Il y avait beaucoup de sang, pas vrai? Elle devrait pas sortir. Ça va aller. Ça va aller. Ok. Cette beauté. Allez, viens, Fifi. Donc là, on est arrivé, c'est bon. Elle s'appelle Alice. Viens, Alice. C'est bien. Hé, hey, merci. Moi, ces nouvelles recrues, je leur fais pas confiance. Merci encore, les gars. Hé, hey, Manny, attends. Vous êtes proche du commandement. Vous savez ce qui se passe? Comment ça? Ça fait 3 jours qu'on attend ici sans rien faire et on est au courant de rien. Alors, vous devriez nous remercier d'avoir mis de l'ambiance. Allez, vous nous devez bien ça, vous pouvez vous renseigner. Ok, laisse-nous d'abord signaler notre tour. On vous tiendra au jus. Ok, merci mon pote. A plus, Abby. A plus. Ok, donc là on va aller là-bas, je pointe.
Au rapport. Salut, vous deux. T'as quelque chose pour nous? Pas de mission. Vous devez juste aller voir Isaac. Tous les deux? Ouais. Ok. J'avais jamais vu autant de monde ici. Il y a quelque chose qui se prépare. On ferait mieux de trouver Isaac. D'abord, on doit s'assurer que Mel va bien. J'ai l'impression de voir que des nouvelles têtes. Et toi? Bonjour, Abby. Salut. Hey, amiga. C'est quoi ça? Ça brille. Donc on... Matos tout partout. On va prendre. On se sert. Ah, salut. Abby, pour une fois que c'est toi qu'on doit sauver et pas inverse. Et enfin, une seule fois. Ok, on modifie le recul. Ok, bon. Hey Abby, c'est du bon boulot, bien joué. Merci. T'aurais pas vu Isaac? Non, avec tout ce bordel, moi aussi je me planquerai. Abby, viens voir deux secondes. On voit tout le monde sauf Isaac. À propos de votre embuscade, c'est arrivé où? Quelque part, ici, près des entrepôts. Oh merde. Ils arrivent à passer sans qu'on les voie. Vous auriez pas vu Isaac? Il était là il y a quelques minutes. Ok, merci. On va le chercher. Bon, si on le voit. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas dégoûté. Je me suis bien amoché, hein, docteur? J'ai vu pire. Oh. Ne bouge pas. Merde. Ouais. C'est pas possible. C'est douloureux. Ah, allez, calme-toi. Ok. Ça va aller. Tu dois avoir quelque chose. Salut, toi. Tu vas mieux? Les antidouleurs font effet, alors ça va. Tiens le coup. La main, ça va? Je vais garder la plupart de mes doigts. Hey. Je sais, Manny s'est chargé de lui. Il a brisé la nuque. Ouais. Tiens, quand on parle du loup. Ah, salut. Comment tu te sens, Mel? Dans ce jeu, les gens se font recoudre normal. Moi, je rentre en train. Vous pourriez m'aider à convaincre cette fille de se détendre? Eh, Mel. Détends-toi. Pigez. Dites, j'ai besoin de bras, alors vous pourriez me donner un coup de main? Bien sûr. Tu bouges pas, hein? Je reste là, t'inquiète. Je me détends. Laura, est-ce que t'as pu te reposer un peu? Oh, je pars bientôt pour l'hôpital du quartier ouest. Les ordres, c'est de tout récupérer. Okay. Comment va Mel? Réellement? Les signes vitaux du bébé sont un peu élevés, mais... Je suis pas inquiète. Il faudrait prévenir Owen. Il voudrait être auprès d'elle. Ouais. J'ai quelque chose à vous montrer. C'est-à-dire? Suivez-moi. Oh putain. Ce sont des gens de chez nous? Ouais. Et il en arrive sans arrêt. Ne dites rien à Mel, ok? Laura. Enfin, pour l'instant. Venez. Y a qui là-dedans? Putain de merde. C'est Danny. Ah merde. Pas cool. Ouais, Owen. J'en sais rien. Il y a quelques jours, on a repéré des scars près de la marina. Danny et Owen sont allés jeter un œil. Et ce matin, les gardes ont retrouvé Danny effondré près de la clôture. Il s'était traîné jusqu'ici, avec une balle dans le ventre. Pinches scars, hijos de puta. Isaac est resté avec lui jusqu'à la fin, mais... Autant que je sache, aucune unité n'est censée y retourner. Et sinon, pour Owen? T'as demandé à Isaac où il était? Oui, j'ai essayé. Mais il m'a lancé un regard de tueur et il m'a dit d'en parler à personne.
Du coup, c'est valable pour vous aussi. Owen sait se défendre. Je suis sûr qu'il va bien. Je dirais pas comme toi. Oui, Isaac. Je serai discrète. Aux dernières nouvelles, il était dans l'immeuble. Bon, faut que j'aille m'occuper de Mel, alors. Tenez-moi au courant, ok? D'accord. Ok, on y va. Merde. Pourquoi Isaac a pas envoyé des squads à la recherche de Wayne? Peut-être qu'il l'a fait sans le dire à Nora. J'espère que c'est ça. Donc, on va partir, non? On va peut-être aller chercher dans le bâtiment. On cherche Isaac. Il est à l'intérieur. Allez-y. Merci. Ah, bah merde, regardez qui voilà. Ça va, les gars? Tu veux faire une partie? Pas le temps. Viens voir Isaac. Tant pis pour toi, primeur. J'y perds rien si je fais du super boulot. Mm-hmm. Allez, à plus. Donc là, on peut pas passer. Non. Par contre, là, on peut pas courir, on peut que marcher. Cet endroit me manque pas. Putain. Ce que je déteste, cette odeur. Après ce matin, j'ai bien envie de leur régler leur compte. Tu m'étonnes. Ok. Salut, Abby. On doit monter. Isaac est là-dedans. Ah. Il en a pour longtemps. Il voulait justement vous voir. Venez. Monsieur, Abby et Manny sont là. Laisse pas s'endormir. Compris. Venez avec moi. C'est chaud, hein? Là, je peux pas bouger la manette. On m'a dit que vous aviez eu des problèmes tous les deux. Rien de grave de notre côté. On a eu que quelques blessures. Contrairement à nos ennemis. J'aimerais entendre ça plus souvent. J'ai jamais vu autant de monde à la base. Et on est loin du compte. J'attends encore d'autres unités. Qu'est-ce qui se passe, chef? Cette petite guerre a assez duré. Ça peut pas continuer comme ça. Alors, quoi? On pourrait retenter une trêve. Mais tôt ou tard, un connard finira par tout foutre en l'air. Et ça peut venir de leur côté comme du nôtre. Non. Il ne doit en rester aucun. On a déjà essayé d'attaquer leur île et... Pas comme ça. Pas avec tout le monde. Il y aura une tempête dans quelques jours. On pourra les approcher discrètement. Vous deux, vous mènerez le premier assaut. Faites vos équipes. Préparez-vous. Je veux Owen. Il revient quand avec Danny? Qui te l'a dit? Nora? Je vois que les gars de Salt Lake ne gardent pas de secret entre eux. Owen va bien. Autant que je sache. Alors, pourquoi personne n'est parti à sa recherche? Il a tiré sur Danny. Apparemment pour protéger un Scar.
C'est des conneries. Excuse-moi. C'est pas son genre. C'est une erreur. Tu crois que Danny aurait utilisé son dernier souffle pour me mentir? Monsieur, si les autres l'apprennent, Owen est mort. Le premier qu'il trouvera le tuera sans hésiter. Dans ce cas, je vous conseille de pas jouer les commères. Laissez-moi y aller. Je vais le ramener et on tirera tout non. ça. On a quelques jours avant la tempête. Non. Cette chance ne se présentera qu'une fois. Et c'est plus important que tout le reste. Bien plus important qu'Owen. S'il revient, alors soit. Je lui laisserai le bénéfice du doute. Et on tirera cette histoire au clair. J'ai besoin de toi, Abby. Ok? Ouais. D'accord. Bien. Jetez un œil au plan et choisissez votre équipe. Prenez des vivres. On se voit plus tard. Owen n'aurait jamais tué Danny pour un Scar. Hein? Quoi? Non. Abby, reste ici. Je serai revenu avant l'aube. Couvre-moi jusque-là. Isaac va te botter les fesses. Pas avant l'attaque. Il a dit qu'il a besoin de moi. Si Owen est encore en vie, comment tu vas faire pour le retrouver? Je sais où il ira. Arrête, merde! D'accord. Viens à côté de moi pour admirer ce beau paysage. C'est joli. Vraiment joli. Non. Allez. On est arrivé jusqu'ici. Et toi, tu veux laisser tomber si près du but. Ouais. Ouais, j'avais promis de monter. C'est fait. Bon, voilà ce qui va se passer. Tu vas ramener ton cul de ce côté. T'asseoir sur le bord, ou ici, sur le siège pour les petites filles. Et on va admirer le paysage. On peut pas rater l'entraînement. T'es sûr? Même pas pour une seule nuit? Non. On peut en parler? Il est tard, Owen. Ouais. Ah, ok. Non. Non, arrête, c'est trop. Oh putain, t'as raison. Tu sais, je vais pas pouvoir continuer comme ça, Abby. Owen, arrête ou je vais rompre avec toi. Owen. Je t'ai toujours aimé. Non. Owen. Ok, donc là je crois que c'est moi qui dois sauter. Voilà. Je crois que je vais le tuer. Abby! Je suis là, espèce d'enfoiré. T'as sauté? Et j'ai raté ça? J'ai cru que tu t'étais noyé. Et tu es venu me sauver? Non? Je voulais voir si t'étais bien noyé.
trouvé quelque chose de génial. Quoi ? Si tu veux le savoir, tu vas être obligé de me suivre. Owen, il faut qu'on y retourne. T'inquiète, il y a juste de voir ça. Nage bizarre, le gars. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse ? Ils vont pas virer des lucioles paumées qui ont nulle part où aller ? Peut-être. Je préfère pas le savoir. Viens juste jeter un coup d'œil. T'inspires à fond. Ça me dit pas brûler. Elle m'a dit inspire à fond, ok, je vois bien, mais ah ouais, là-bas. Il y a vraiment un bonhomme qui n'est. Ok. Ils sont dans l'aquarium. C'est quoi cet endroit? J'en sais rien. Tu veux continuer? C'est monté rapidement. C'est complètement dingue. Il y a que c'est une sorte de zoo pour poissons. Ferme-la. Regarde un peu ce bébé là. J'ai vu un phoque il y a pas longtemps. Avec des petites taches partout. Ils ont pas de taches, ils sont bruns. Ça, c'est les lions de mer. Non. Non, tu connais rien. Je sais ce que j'ai vu. Je suis pas aveugle. Ok, on va essayer de monter. Donne-moi un coup de main. Ok. On va partir sur triangle, allez. C'est bon. Vas-y. Voilà. C'est quoi cet endroit? Bah, on dirait que c'est un genre de théâtre, mais pour les poissons, quoi. Tu te prends pour un coq? Quoi? Je fais le loup. C'est mon cri de wolf. T'es trop bête. Tu crois que ce bateau faisait partie du spectacle? Non, on dirait plutôt que quelqu'un s'est bricolé un genre de quai d'amarrage. Oh, les vêtements d'enfant. Il y a des vêtements d'enfant. Il y avait une famille ici. Ah, regarde ces dessins. Je me demande ce qui leur est arrivé. Ils ont peut-être rejoint les wolves. Ouais, ou des scars les ont tués. Toujours aussi optimiste. Hmm. Ok. Allez, on a fait le tour. On continue à visiter les eaux des poissons. Tu crois qu'il y a autre chose? Bien sûr. On y va. On va te suivre. Par là. On va passer par ici. Hein. Oh. Il y a la porte. C'est le bloqué. Tu t'essayais par là? Aide-moi à monter. Ouais. Viens.
balèze. J'ai soulevé 90 kilos hier. Dans tes rêves. Ok, on verra. Bon, on jette un coup d'œil rapide et après. On rentre direct. C'est stylé les graphismes quand même. Super bien fait. J'ai marqué photo. C'est un aquarium dans le sol. T'imagines cet endroit rempli de monde, avec des enfants qui couraient partout. C'est un autre monde. Il y a une feuille sur le mur. C'est quoi ça? Marie-Claire, si vous trouvez cette lettre, sachez qu'elle ne vous envoie pas. Montez, je ne comprends pas pourquoi je préfère jouer un travail. Bon, manger, avoir un bateau pour le milieu et partir loin d'ici. Trop sévère pour tout ce que vous voulez me protéger. J'espère que vous le savez. Ne me passe pas le moment, je vais vous chercher. Ok. Cet endroit sera mon royaume. C'est chez moi. Tu crois que c'est les gens du bateau? J'imagine que c'est eux, ouais. Viens quand tu veux. Oh, t'es sûr de ça? En fait, pas vraiment. Je vais attendre de voir si t'es sympa avec moi. T'es vraiment trop con. Tu commences mal. Bon, par ici, on peut plus rien faire. J'ai vu qu'il y avait un escalier là tout à l'heure quand on est arrivé. On peut toujours essayer l'escalier. Il faut absolument qu'on amène les autres ici. C'est ça, en les incitant à désobéir eux aussi. Je trouve pas que ça valait le coup. On verra si on se fait engueuler en rentrant au camp. Ah, t'adores cet endroit. La ferme. Alors, est-ce que j'ai droit à Owen? T'avais raison. Merci de m'avoir traîné dans cette ville magnifique. Je vais y réfléchir. Ça me va. Non, tu respectes ton père, tu es mort, mais tu dois comprendre. Même si lui a été faire croire que ton corps est un enfant. Communauté capable de porter un esprit fort. C'est ton frère, il doit revenir de toi. Ok, d'accord. Ah merde, je pouvais la retourner. On va regarder. Ok. Tu n'hésites pas à faire de l'esprit. Nous allons prendre par exemple. Dans 5 jours, si tu veux nous rejoindre, allume la torche sur le pied. Fermez donc. Tranquille. Ok. Il y a plein de vêtements. Oups. Bon sang. Je crois qu'on a trouvé le capitaine. Merde. Jamais le Max loin d'ici ne peut passer sa vie enfermé dans un bâtiment en disposition d'une ferraille. Quand les soldats ont tué maman, il est resté planté là comme une mâche. Tu aurais dû faire mal longtemps qu'il ne fait. Je veux que Max puisse avoir des chances de se battre pour faire des choses de leur vie. Le monde ruiné, c'est un peu seulement le temps de faiblesse. Enfin, un jour, si c'est le cas, j'espère qu'on retrouvera pas encore à ton putain de fauteuil. Ok, donc on va pas retourner. Ses enfants sont allés rejoindre les Scar. Bordel. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on a les clés. C'est quoi ton problème? C'est un squelette, il en a plus besoin. J'arrive pas à comprendre qu'on puisse volontairement rejoindre les Scar. Pourquoi? Parce que c'est une secte à la con, c'est tout. Bah, dans les zones de quarantaine, les Lucioles sont considérées comme des terroristes. On était naïfs. On n'était pas
fanatique. On faisait sauter des postes de contrôle et on tuait des soldats. Évite de dire ce genre de conneries au stade, ok? Ok, d'accord, ça va. C'est le moment de sortir les clés. Ah ouais. Si. Non. Ou alors... C'est bon. Ok. Oh. Ça a dû prendre une éternité de prendre ça. Découvert du mouvement large. Donc. On va regarder là-dessus. Y'a rien. Non, y'a rien du tout. Et là, y'a rien du tout. Et là, comment on fait? Ok. Me dis pas qu'on va descendre par là. Allez. Owen. Après, j'arrête. C'est promis. Promis? Évite de... regarder en bas. Oh. Descends. Ça va aller. Pas que ton censeur vous décroche. Hein. Regarde ça! J'aimerais trop rencontrer ce gamin. Bah. C'est un Scar. Tu l'as peut-être déjà rencontré. Oh, la vache. J'espère que non. Wow! Allez, amène-toi! On suit, on suit. Bien fait les graphismes. Regarde. Tu vois qu'ils ont des taches. Ouais, ouais. Je suis moche. Je suis moche, c'est ça? C'est mon corps qui te dégoûte. Allez, Abby. Je suis désolée. T'as pas à t'excuser. Qu'est-ce qui va pas? Je sais qu'on a suivi toutes les pistes possibles, mais... Mais Joël est là, quelque part. Je sais. Qu'est-ce qu'on fait? On y retourne. On arrivera pour l'entraînement. Bon. Vas-y, toi. Et toi, alors? Je vais regarder les phoques un petit moment. Je suis désolée. Je viens de te le dire. Ne t'excuse pas. Ok, donc là, la cinématique, elle est terminée. Et si Owen s'était caché ailleurs? Il est là-bas. Allez, tirons-nous d'ici avant de se faire repérer.
Non. On ne sait pas ce qui s'est passé. Il faut que je le retrouve. Enfin... S'il a vraiment tué... On s'en fout de Danny. Je suis jalouse qu'Owen l'ait buté avant que je m'en charge. Hé, hey, Abby. J'apprécie que tu m'aides, filer en douce. Tu vas y aller comment, à l'aquarium? Par l'autoroute? Non, il y a trop de patrouilles. Je me ferai repérer, c'est sûr. Je vais me frayer un chemin. L'aquarium est pile à l'ouest. Suffit de suivre le soleil, pas vrai? Je viens avec toi. Je l'ai déjà fait. Pas avec autant de scars dans les environs. Manny, s'il te plaît. Bon. C'est toi qui vois. La voie est libre. Allez. Ok. Ok. Souhaite-moi bonne chance. Si tu le retrouves, ne frappe pas trop fort. Je te promets d'essayer. Sérieusement, fais gaffe à toi, Abby. Ouais. On y va. Bon, il n'y a qu'à suivre le soleil. Donc là, voilà. Donc là, on va terminer la vidéo. On va mettre sur pause. Voilà, à chaque fois, je mets sur pause. Et donc là, on va terminer la vidéo. Et donc, dites-moi si vous avez aimé. Dites-moi si vous avez compris l'histoire. Si vous n'avez pas regardé avant, ça va être un peu compliqué. Mais franchement, ça vaut vraiment le coup. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner. Laissez des commentaires. Partagez un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Et mettez-moi un max de commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous l'avez testé? Alors, si vous avez été plus loin, évitez de spammer. Mais si vous avez à peu près où je suis moi, ou est-ce que vous êtes plus loin, ça dépend. Vous dites vraiment ce que vous en pensez. Donc voilà. Allez, ciao, ciao. C'était Jérôme FPS. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo-là. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche pour avoir les prochaines notifications. Donc, si vous aimez cette chaîne, vous aurez deux vidéos à votre disponibilité, soit la vidéo droite, soit la vidéo de gauche. Mais si vous aimez vraiment la chaîne, il y en a énormément et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos. Donc, n'hésitez pas à continuer à regarder cette chaîne. Je vous remercie. Bonne journée.